Salut tout le monde, c'est Blame Brangers. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 45e épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo. Donc, pour ce 45e épisode de mes achats hebdomadaires jeux vidéo, il y aura du rétro et du récent. Donc, on va commencer par le récent et on ira vers le rétro. Donc, ce que j'ai trouvé pour cette semaine, ça sera beaucoup du Easy Cash. Il n'y aura pas de vide-grenier pour le moment, donc là, il n'y a que du Easy Cash. Donc le premier jeu que j'ai trouvé c'est la Coupe du Monde 2002 sur la Xbox pour 5 euros au nouveau magasin que je vous ai parlé dans l'épisode achat précédent. Donc pour 5 euros. J'ai acheté un Halo 1 sur Xbox pour 3,99 euros. J'ai trouvé quoi d'autre? J'ai trouvé Kinect Sport 2. Pour 5 euros. Donc lui d'accord. J'ai trouvé aussi un Farming Simulator sur 360 pour 19,99 à Micromania en occasion. Il va falloir que je voie si la version 2015 est mieux que cette version-là. Voilà. Ah, je l'ai trouvé aussi, la Coupe du Monde de la FIFA 2002, je l'ai trouvé aussi sur GameCube. Voilà. Pour 1 euro. Je l'ai trouvé aussi sur GameCube. Sur GameCube aussi, j'ai trouvé aussi Power Rangers Dino Tonnerre. Pour mettre dans ma collection. Voilà. Pour 6,99. J'ai trouvé un NHL 2K3 pour 2 euros. Il y avait une petite bourse aux jouets que j'avais fait il y a un petit moment, que j'avais trouvé le jeu qu'il y a là, Call of Duty le jour de gloire, c'est le seul que j'avais trouvé. Je l'avais payé 9,99. Voilà. Un autre jeu que j'avais aussi trouvé au nouveau magasin Harper's, c'est Zero Hero of Pacific pour 2 euros. Très très bon jeu d'avion. Easy Cash, il y avait une promotion en ce moment. C'est, j'avais trouvé ça pour 2 euros. C'est Harry Potter et la coupe de feu pour 2 euros. Il y avait aussi Athènes 2004, cette fois-ci pour 0,25 centimes. J'ai dit, tiens, celui-ci, je le prends. Après, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Je parlais du Farming Simulator tout à l'heure. J'ai trouvé le 2012 sur la 3DS. Je l'avais trouvé à Micromania, il était à 15 euros. Voilà, pas mal comme jeu sur le 3DS. Un SmackDown vs Raw 2011 sur PSP, toujours au nouveau magasin à Affairs pour 2 euros. Cash Express, j'avais trouvé pour 1 euro, j'avais trouvé ça. NHL Face Off 99. Pour 1 euro. Et ce fameux le jeu en boîte que j'ai réussi à trouver cette semaine, ça fait déjà deux épisodes, un épisode, l'épisode précédent, j'en avais trouvé un autre. Ceci, un jeu Nintendo 64 en boîte, c'est Formule 1 World Grand Prix. En boîte, il y a tout, il y a la cale, la notice, le jeu, parfaite condition. Et c'est super rare à maintenant à trouver des jeux de Nintendo 64 en boîte. On arrive de plus en plus de mal à les trouver. Et je vous dis à plus!